Moi, c'est Richard Taka Bosenge. J'étais candidat député national à la circonscription électorale de la Founa. Nous avons bâti campagne au moins pendant 30 jours, jour pour jour, avec toute l'équipe et les amis. Et après la campagne qui s'est clôturée, hier c'était le vote et maintenant nous sommes dans toute la sérénité. Je voudrais ici adresser un mot de remerciement au président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a mordicus tenu à sa promesse d'organiser les élections. Pendant que beaucoup n'y croyaient pas, et il y a eu beaucoup de langues, beaucoup de salive, beaucoup de spéculations, qui pensaient que le président de la République ne va pas tenir à sa promesse. Et merci beaucoup à lui-même et à toute son équipe gouvernementale qui a mis tous les moyens nécessaires pour que le 20 soit organisé, soit tenu pour l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Certainement, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Organiser les élections dans un sous-continent comme la RDC n'est pas une messe facile. Et toute œuvre humaine ne manque pas certaines imperfections. Je remercie aussi la CENI, qui a tenu aussi dans les conditions deux fois aussi difficiles à organiser ces élections. Comme je le dis, l'œuvre humaine ne manque pas certaines imperfections. Certainement qu'il y a eu un peu de raté par-ci par-là, mais l'essentiel est que la promesse a été tenue. Mon mot de remerciement également au président national du MLC, M. Jean-Pierre Bemba, qui avait aligné ses soldats presque dans toute la République. Et je tiens ici à dire grand merci au président Jean-Pierre Bemba, grand merci à le mouvement du MLC, mon parti, et les APA, qui m'avaient choisi, compte tenu de mes qualités, de mes compétences, comme candidat à la députation nationale à Founa. Nous croyons que pendant 30 jours, nous avons été sur le terrain, nous avons bâti campagne, Makala, Bumbu, Selembao, Ngiringiri, Kasavubu, Bandal, partout où nous avions été. Le message du MLC, le message du président national, nous l'avons tenu pendant 30 jours. Grand remerciement. Remerciement à mon équipe et surtout à tous les membres, ceux qui ont porté leur choix sur moi. Je sais que la victoire est certaine parce que nous avons sensibilisé les mamans. Notre message a été répercuté dans toutes les 7 communes de la ville de Kinshasa, de la Founa, je voulais dire. Et beaucoup de gens ont été attirés, ont été flattés par notre message, surtout celui de l'encadrement de la jeunesse, de la promotion de l'équité, de la justice, de la paix. Et ce message a été porté dans le cœur de beaucoup de membres et de la population de la circonscription de Founa. Je suis convaincu à 100% que je serai élu parce que les éléments que nous voyons par-ci par-là qui nous tombent auprès d'Opiyomon nous donnent déjà une certaine longueur d'avance par rapport à d'autres candidats. Merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais ici attirer l'attention de la population. RDC, c'est un pays convoité. Convoité par les étrangers, convoité par les voisins, convoité. Et la paix, la sécurité de la RDC, je pense que certaines personnes ne voient pas à cet angle. Nous demandons à la population de se calmer. S'il y a de velléités, certaines personnes qui pensent que non, voilà, il y aura des troubles après les élections, il y aura X ou Y. Oui, nous lançons un appel d'apaisement à toute la population de la République démocratique du Congo. Notre pays, c'est un pays convoité, comme vous le savez, par rapport à tout ce que nous avons comme richesse, pour potentialité. Beaucoup ne veulent pas que le Congo soit dans le calme, dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité. Nous demandons à la population de se calmer. Ne vous laissez pas influencer par des mauvaises paroles, par des mauvaises pensées. Les gens qui peuvent penser autrement et embraser notre pays, allumer le feu, nous les Congolais, nous ne voulons pas ça. Nous sommes un pays de paix, un pays de tranquillité. Après les élections, que le meilleur gagne. Et que celui qui
par, qui, par la loi des urnes, ne sera pas élu, soit calme, n'amenez pas la population à des révoltes, à des troubles. La RDC, nous avons trop connu des souffrances, trop connu des situations difficiles. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité. Les élections, c'est une compétition que le meilleur gagne. Et que celui qui n'a pas gagné, qui est de faire plaisir, de se calmer et de voir l'horizon pour certaines échéances et certaines opportunités. Ce n'est pas parce qu'on a raté une élection qu'on est fautif ou qu'on est foutard. Peut-être demain ou après-demain, d'autres occasions peuvent se présenter. À la population, nous vous appelons au calme, à la paix, à la sécurité et à la sérénité. Je dis et je vous remercie.